Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et je vous dois quand même 2-3 petites explications. Mes enfants grandissent, mon travail principal me prend beaucoup de temps, et j'ai beaucoup moins de temps pour vous faire des vidéos de pêche sur YouTube. Voilà, c'est la grosse raison, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est la grosse raison pourquoi je ne vous fais plus beaucoup de vidéos. Mais je n'arrête pas de faire des vidéos, c'est-à-dire qu'il y en aura encore de temps en temps, par exemple encore l'ouverture truite, etc. Enfin, des moments très clés, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne pêche plus. Je pêche encore, mais je pêche beaucoup plus pour me détendre, faire des vidéos, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, etc. Voilà, c'est une des grosses raisons pour laquelle vous me voyez moins sur YouTube. Mais aujourd'hui, journée spéciale, je vais prendre la route, je vais mettre ma casquette et je vous emmène chez Paris Predator Fishing pour une journée spécifique qui s'appelle l'Open Days. C'est des événements qu'ils font une fois de temps en temps où ils ouvrent tout leur site pour la pêche. Alors Paris Predator Fishing, vous en avez déjà entendu parler probablement, c'est une zone que je pêche depuis 5 ans, que je pêche en période de fermeture publique. Et justement, c'est ça qui est chouette là-bas, c'est que pendant que les zones de pêche publiques sont fermées, chez Paris Predator Fishing, c'est le moment où c'est ouvert et c'est le moment où on peut aller exploser ses records. C'est un peu l'endroit parfait si vous voulez exploser vos records. Alors oui, un record, ça vaut pas un record dans le privé, ça vaut pas un record dans le public, mais c'est une très bonne expérience. J'ai personnellement pris mon premier brochet maîtré chez Paris Predator Fishing et depuis, j'en ai attrapé plein d'autres dans le public. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché le truc, mais peu importe, aujourd'hui, je vous emmène chez Paris Predator Fishing. On va être 25 pêcheurs qui seront là au rendez-vous et je vais vous partager de l'intérieur comment se passe un Open Days. Et voilà, c'est parti pour la journée de pêche. Je suis avec Olivier et Kylian pour commencer. Premier étang, on va traquer le brochet et espérons que les touches soient de la partie. Donc on va attaquer cette zone, je vais essayer de nous positionner décalé parce qu'on va faire des lancers bordure et ramener. Ok, donc à partir de après de l'arbre là, la zone devient un petit peu plus profonde et donc plus propice parce que là c'est un banc de sable. Ouais. On va éviter de se mettre juste... Oh, il y a un suivi, vous avez vu. Ouais, j'ai l'impression qu'il était derrière. Il est venu jusqu'au bateau, il s'est retourné, il n'a pas tapé par contre. Il a tapé dans le leurre, mais... Merde, mon leurre est retourné. Ouais. C'est un brochet de couleur. Ah, je sais pas, j'ai juste vu le ventre... 80, je dirais. Une bonne paillasse, quoi. C'était pas 60, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment 60 ici. Bon, je vous le laisse. Allez. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Non, allez-y, franchement. Ça tombe, il va pas vouloir sur les nôtres, il va vouloir faire le tien. Bah, c'est possible, mais prenez ma canne alors. Non, vas-y. Si tu veux ma canne, vas-y. Le plaisir, c'est de le voir. Hein. Je suis en hameçon simple aussi, c'est peut-être pour ça qu'il s'est pas piqué correctement. Tout va bien, je suis passé. Les câbles. Ah, je vous laisse aux commandes, hein, du coup. Ça marche, merci. Ça va aller ? Ouais, ça va. Changement de bateau. Ici, ça a pris du poisson. Qu'est-ce que vous avez pris comme poisson, les gars ? Brochet. Brochet ? Ouais. Combien ? Un brochet de 96. 96 cm ici dans le bateau. J'ai pris le mauvais bateau pour démarrer. Et un décroché. Et un décroché. Ah bon. Ben voilà, il y a du résultat. Plutôt gros leurre ou petit leurre ? Gros leurre. Gros leurre ? Ouais. Allez, c'est bon à savoir. J'aimerais bien une fois mettre un tuba et un masque et aller voir sous l'eau parce que ça doit être la folie en fait. Tu dis qu'il y avait déjà des poissons à l'origine, plus tout ce qu'ils ont remis. Ça a été créé en quelle année ça, les étangs ? Bah, en fait, c'est des anciennes gravières de Seine, hein, donc, qui ont servi à chercher du gravier pour la construction de Paris. Ouais, et le patron qui a repris les lieux ici et qui en a fait une zone, on va dire, touristique avec des lodges, etc. Pêchait ici quand il était petit. Donc les étangs sont là depuis très longtemps. Je sais pas depuis quand, mais les étangs sont là depuis très longtemps. Moi, je vais aller dire bonjour aussi aux pêcheurs qui sont dans les bateaux d'à côté.
Donc je vais vous laisser. Ça va à toutes, hein? Bonne pêche. Changement de bateau et changement de plan d'eau pour moi. Alors moi je fais le tour et je vous fais visiter de l'intérieur cet Open Day, cet événement ici chez Paris Predator Fishing. Et donc je me déplace de bateau en bateau pour pouvoir conseiller tout le monde, leur donner, enfin être présent pour eux et pêcher avec eux. 4 avec le petit là-bas. Waouh, beau fish, hein. 1 mètre tout pile. Regarde ça, 1 mètre pile. Est-ce que c'est ton record? C'est mon record. Ah bah, félicitations pour ton nouveau premier record personnel alors. Premier maîtré. Waouh. Super. Et il est grand. Ah, il est... Waouh. Il a bien mangé à la cantine. Ouais. Quel bestiau, oui. Joli. Allez. Nickel. Comment est-ce? On a un grand point ce matin. Ouais, t'as fait un mètre ici là. Ah, t'as fait 1 mètre aussi. Là, là, 1 mètre. Waouh, 2 fois 1 mètre. 2 mètres dans cette zone là. Incroyable. Génial. Bien joué, hein. Alors, ça fait quoi d'atteindre le mètre? Ça fait plaisir. Ça fait tant depuis les années qu'on pêche. Ouais, tu m'étonnes. J'étais bloqué en 98. Mon premier mètre, je l'ai fait ici. Sur les plans d'eau, et c'était ici. C'était 1m06, non? Ouais, c'était ça. Ouais, 1m06 mon premier mètre. Après depuis j'en ai fait en zone publique, mais voilà, la découverte du premier mètre, je savais pas comment le prendre, j'étais là genre. Putain, c'est pas du tout la même chose, non. C'est beaucoup plus gros. Ah bah puis ici ils sont. Ouais, ils sont balèzes, hein. Ils sont balèzes. Changement de d'étang et de bateau pour moi, je vais pêcher un petit peu avec vous les gars. Je vais monter sur le bateau et j'arrive, il y a déjà un poisson maîtré au bateau, donc c'est fou comme quoi d'un étang à l'autre l'activité des poissons n'est pas la même. Alors ici ils ont plus d'activité que dans l'étang d'à côté, tant mieux pour vous les gars, je vais dire. Donc voilà, on va aller pêcher un petit peu ici et on espère encore voir d'autres poissons parce que des maîtrés il y en a beaucoup. Alors ils expliquaient tout à l'heure dans l'organisation qu'il y a environ 40 maîtrés par étang, donc ça laisse de quoi encore en prendre, hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Bon là, il y a du mucus là. Ouais, putain les gars, vous avez ruiné la baffe. 6 poissons, va. Franchement, il y a du mucus partout ici. Je sais même pas où me mettre, je sais même pas où déposer mes affaires, il y a du mucus partout. Vous avez exagéré. C'est plus le bon bateau. Ouais. Il va falloir aller chercher un bateau vierge. Vous avez pris sur quoi? Gros roller comme ouais, ça Non, ce matin on le mettrait sur un shatter avec un grub derrière. Ok, ok. Ouais. Et après 18 cm, pas mal quand même. En shad? En shad. Shad et après du jointed un peu aussi sur la nage. Celui-là? Celui-là. Ah ouais, ok, ok. Paillettes? Ouais, ouais, je vois. Ouais. Noir à paillettes. Allez. Bah franchement, vous avez des beaux résultats. Hein. Votre journée, elle est déjà faite en fait. Ouais, t'as pris du poisson, toi? Non. Ah, ta journée, toi, elle est pas encore faite. Allez, on arrête tous de pêcher. Bon, ben voilà, on arrive sur la berge parce qu'on va faire un changement d'étang. Donc, on va passer de cet étang qui s'appelle l'étang Idylle, on va passer sur l'étang d'à côté qui s'appelle Palmyre. Et ils n'ont jamais pêché sur l'étang Palmyre, donc je vais aller avec eux pour. Directement les conseiller sur les zones les plus propices de pêche. Après, les poissons, est-ce qu'ils seront là ou pas? On verra bien. Mais bon, ils s'est déshabitué de la pêche des maîtrés, donc... C'est ça. On va peut-être encore en faire à côté. Ça sera ton tour, hein. Oui, j'espère. Et les gars, vous avez fait un achat groupé de vestes Fox Rage ou quoi? Je vois que tout le monde a acheté des vestes Fox Rage, là. Vous êtes tous de la même team. Et ça donne bien apparemment. Moi j'ai pas pêché mais ça a bien donné ici. On a fait quelques percos. Tu fais le 100 là. Ah ouais, il y a eu 200. 200, on fait un 97, un 95, un 93 en plus. Et un 92. Ça paye, ça paye. Ouais. À quoi? Là sur du gros du 18 cm ou 23 en répliquant. Un poisson pris. Eh oui. C'est le premier? C'est le premier. Ah ben il fait plaisir alors. C'est clair. Yeah. Et là maintenant vous avez changé d'étang, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous avez pas eu énormément d'activité alors sur celui-là? Non, il y a eu un 86. Et là bah, un petit 60-70. Ouais. Tu peux vite l'avoir partout bon dans les étangs, c'est pas un poisson.
Vous pouvez venir nous épuiser un poisson, on n'a pas d'épuisette. Bon, non? Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est un beau fiche, ouais. Mais bon, je sais pas, on n'a pas encore vu sa gueule, mais je pêche en l'heure de 23 cm, donc ah oui, il y a un beau fiche, là. Alors... Comme tu le sens. Ouais, ça fait 4... Ah non, c'est pas si gros, je le voyais plus gros. Tu veux, j'essaie de l'attraper. Il est là ton gars ou tu sais où il est? Ah sinon, non, en fait, je crois que je l'ai même pas. Je viens de réaliser que je n'ai même pas le gant. Ah, si je l'ai, il est là. Super. Bon, on a réalisé qu'on était parti sans épuisette, donc... Yes, baby. En pleine discussion, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Bon, il doit faire 90, donc ouais, je pense, ouais. Bien gras, poisson d'hiver. Il fait plaisir. Je l'ai pris au grub. Avec un gros leurre, hein, 23 cm, donc on est sur des grosses tailles de leurre. Poisson qui fait plaisir. Cool. Ah bah on voit du beau poisson aujourd'hui. On voit du beau poisson aujourd'hui, exactement. On va mettre ça dans l'eau. Allez, la release. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti très vite. Merci. T'as même fait youtubeur. C'est excellent. <on dit. rire> Tu nous ramènes en golfette? Oui. Ah, ça c'est cool. Ces pédales elles sont archi sensibles en plus, donc ça met des à-coups tout le temps. Fais pas trop le fou, hein. Fais pas trop le fou. Il est gros, il est pas fort. Pardon. Il y a un beau poisson là. Un mètre. Un mètre. On voit bien. Ouais, on le voit bien. Ah ouais, on le voit bien, ouais. Un mètre tout pile. Un mètre pile poil. Un mètre pile poil. Ah ouais, beau poisson, hein. Joli. Jolie prise. Allez. Il va pas demander son reste. Voilà. Bien joué. Ouais. Bravo. Cool. On a loupé un beau déjà, là-bas. J'en ai pris un sur l'étang là-bas, moi. Ah oui? Un 90. Mais assez calme quand même l'étang là-bas, parce qu'il y a beaucoup de vent là et ça souffle fort. Ouais. Bah, vous l'avez pêché? Ouais. On est... Ouais, plutôt compliqué, ouais. On fait un seul poisson, quoi. Ouais, c'est que c'est cool. Beau. T'en as raté un beau, c'est là-bas. Ouais, ils ont pris 300. Sur lequel? Ici? Juste derrière, là-bas, dans le virage. Ouais, on coupe aussi. Ouais, mais c'est déjà cool de prendre de la tape. Ouais, c'est déjà cool de prendre de la tape, ouais. Donc tu viens de faire ton record, alors? Ouais, un mètre. Un mètre. Pile poil. Parfait. Mais c'est la deuxième personne qui fait un record aujourd'hui. Excellent. C'est cool. Bon appétit, les gars. Merci. Bon appétit ici. Merci. Merci. Plus de la moitié de la journée. Bon appétit. Merci. Alban. Salut l'équipe. BHD cuisinier, l'organisateur de la journée. Content de recevoir l'équipe. BHD Fishing. Excellent. Oui. Ah oui, il est tout petit. C'est marrant. Record pas battu, mais mon poisson, quoi. Bien joué.
C'est poisson quand même, hein? Poisson quand même. Ah ouais. Tu peux le remettre à l'eau. C'est poisson quand même. Bon, ça fait combien d'années que tu fais des vidéos maintenant? Ah, longtemps, hein. Ah ouais? 10, 12 ans, je pense. Ah, 12 ans? 10, 12 ans, ouais. T'es un des pionniers. De ouais, je suis un des pionniers sur YouTube, mais vous connaissez Aminiac? Oui. Aminiac Fishing. Et lui, c'est un des plus. Lui, il était avant moi encore. Ouais. Et c'est le pionnier en fait, Aminiac, parce que il y en a eu d'autres avant et au même moment qu'Aminiac. D'accord. Mais ils ont tous arrêté. Donc Aminiac, c'est vraiment le seul qui a commencé YouTube et qui est toujours occupé avec YouTube à 100% électrique. Oh putain, d'accord. Ah. Ouais. Ouais, donc c'est ton job secondaire et ton hobby. Ouais, c'est plus mon hobby que mon job, mais ouais. Moi, je suis expert comptable. Expert comptable, ok. Tu sais qu'en Belgique, on adore les experts comptables, hein, parce qu'en Belgique, on est tellement taxé qu'on en a trop besoin pour, pour déduire et défiscaliser un maximum. Quoi, en France, c'est déjà énorme. Mais ouais, en Belgique, c'est l'horreur. On est le pays le plus taxé. C'est vrai. On est le pays le plus... Oh, là, c'est déclenché. Ouais, c'est dommage. Tu penses ? Ah oui, c'est un poisson, ouais. Je l'ai même tiré sur... Ah, allez. Bien sûr. Ah, mais par contre, là, si je me prends une tape, ça craint, parce que mon fils s'est emmêlé. Ah bah, il m'a suivi, en plus, celui-là. Sous la pluie, il s'arrête pas. Quoi? Pourquoi? Ah ouais? Ah, ils ont fait du poisson, c'est ça le principal. Bon, j'essaie de faire le tour un peu de tous les pêcheurs et de tous les bateaux pour vous faire... vivre un peu plus cet open day, sa distance, et bon, en tout cas, les résultats de pêche sont là. La météo, par contre, c'est vraiment le bordel. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est pas top. C'est vraiment pas top, c'est pas ce qu'on aime quand on va à la pêche, mais bon, on choisit pas la météo. Allez, objectif, prendre un black bass, son premier black bass. On va essayer ça. Hein. Voilà, ils m'ont donné l'info que la dernière fois qu'ils ont pêché, c'était près de la bulle, là, dans le coin, là, il y a pas mal de caillasses, et que là-bas, ils avaient fait des poissons. Donc, je propose d'aller tester là-bas. Bon, nous voilà l'après-midi. Je suis sur l'étang spécialisé pour le bass. Les conditions météo sont vraiment pas bonnes pour pêcher le bass. Il n'y a pas de soleil, il y a tempête de vent. Donc ici, très compliqué. Donc j'ai essayé un peu de pêcher le bass là, mais pour faire prendre un bass à quelqu'un qui n'avait jamais pris de bass. Malheureusement, on va juste abandonner parce que les conditions météo vont pas pouvoir permettre de capturer des basses aujourd'hui. Donc on va se rediriger vers les étangs à brochets où j'entends par-ci par-là que des brochets se font prendre, dont un énorme brochet qui fait 114 cm, je pense, si j'ai bien entendu. Donc il y a du très très beau poisson à faire. Le fait qu'il y ait du vent, ça aide pour la pêche au brochet. Donc autant se concentrer sur la pêche du brochet. Bon, je peux pas venir ici sans faire un petit coup de la terrasse. Et comme l'eau est à monter, je suis obligé de venir sur la terrasse directement. En fait, là en bas, l'eau, elle est carrément bas du truc. Bon, le vent vient dans ce sens-ci, donc je vais pouvoir quand même, à mon avis, réussir à pêcher malgré le vent et la pluie. Ça a l'air d'aller. On va voir s'il n'y a pas un sand à faire. Ce serait bien avant de partir. Terminer la journée. Et non, pas de touche. Les sangs sont pas là, pas maintenant et pas ici.
tu m'expliquais que tu avais eu des attaques et que tu as loupé un poisson qui est venu quoi, 5 fois ou 5-6 fois. Mais bon. Oh, il n'y avait pas trop de poissons, mais c'était une très bonne journée, j'ai rencontré beaucoup de monde. Même s'il n'y avait pas eu énormément d'actions, j'ai arrêté de sauver, mais pourquoi pas une prochaine fois. C'était vraiment une belle journée, on a vu de très très beaux poissons. T'as explosé ton record ou pas? Non, j'ai pas explosé mon record, mais un poisson maîtrisé dans la journée. Plus de 90 plus, et puis j'étais dans le bateau du big fish de la journée, 114. Waouh! Donc toi, t'as tout vu? Ouais, j'en ai pris plein les yeux, c'était génial. Une super journée, et puis bon, un petit 48 pour moi seulement, et puis voilà. Vous pouvez me brocher quand même? Brocher quand même. Ah, voilà. Et merci pour les conseils. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Belle, mais sans capture. Sans capture pour toi. Aïe. C'est pas grave. On a découvert des beaux étangs ici. C'était une première pour toi ici? Ouais. Ah ben voilà. Tu as vu que les poissons étaient bien là pour toi? Ouais. J'ai vu quelques suivis, 3 ou 4, mais pas de touche. Bah, c'était compliqué, que du gros fish. Que du gros poisson, c'était très compliqué. C'est compliqué, plus attends, pour les autres, je crois, si, du coup. Si j'ai bien compris, t'as battu ton record 3 fois sur la même journée. Deux fois. Ah, j'avais entendu 3 fois, mais... Deux fois, j'avais pas encore fait de maîtrée, puis bah voilà. T'avais pas fait de maîtrée, et donc ton premier poisson, c'était un 100... 100. 100 tout pile, ah bah oui, on t'a vu, c'est vrai, au matin, puis, ouais. Là, après-midi, 114. 100 et 114. Et journée réussie. Journée réussie. Je serais pas venu pour rien. Excellent. Excellent, bravo en tout cas. Canne neuve, l'heure neuf, baptisé tous les deux. Regarde, le restant des pêcheurs qui arrivent, salut les gars. C'est pratique quand même ces petits véhicules. C'est pratique, ouais. Plus de gardes. Merci à tous d'être venus pour cette journée. Alors, vous avez des cadeaux qui vous attendent à l'intérieur. Donc vous avez chacun un colis et un certificat de votre journée de pêche d'aujourd'hui. Un événement comme celui-ci, l'Open Days, qui se fait assez régulièrement chez Paris Predator Fishing. Donc ils font ça plus ou moins 3 à 4 fois par an. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet, sur leur page Instagram. Et toutes les réservations pour réserver pour un Open Day se font sur le webshop de leur partenaire qui s'appelle Fish and Chip. Et bien voilà, journée terminée ici, l'Open Days de février avec moi comme animateur est terminé. Chouette journée, il y a eu plein de personnes qui ont explosé leur record, c'était chouette à voir leur sourire. C'est toujours super de voir ça. Il y a un gros poisson qui est tombé. Deux gros poissons qui sont tombés, un 111 je pense et un 114 cm, donc deux poissons énormes, au total 7 mètres, c'est juste énorme sur des plans d'eau comme ça. Il y avait 25 pêcheurs, 7 mètres, le ratio des poissons ici est juste monstrueux. Alors l'ambiance était bonne, la météo était pas terrible, mais c'est comme ça. J'espère que vous faire vivre cet Open Day sans vidéo vu de l'intérieur, j'espère que ça vous a plu, même si j'étais pas là pour voir les gros poissons et ne pas pouvoir les filmer. En tout cas, il y a quelques photos, je vous les ai partagées à travers cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !